Les questions majeures de l'équité du genre et de la protection de l'enfance dans les contextes du Lualaba, tels sont les thèmes sous lesquels s'est tenue ce vendredi 5 mai 2023 une grande conférence de leaders dans la grande salle du complexe scolaire Ewabura. Une conférence organisée par les commissariats généraux du gouvernement en charge des affaires humanitaires et sociales, genre, enfants et familles, sous les hauts patronages de la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Fifi-Masuka Saini. Au cours de cette conférence, plusieurs thématiques ont été développées, entre autres l'équité du genre et protection de l'enfance, les dispositions de la loi en matière de violence basée sur le genre, mais aussi la protection de la participation de la femme dans la sphère de prise de décision et tant d'autres. Dans sa prise de parole, Madame Nathalie Lundangandou, commissaire générale du gouvernement en charge des affaires humanitaires et sociales et représentante de l'autorité provinciale Fifi-Masuka, salue à juste valeur la tenue de cette conférence tout en invitant les participants à mutualiser les expériences pour une issue positive en faveur de la protection de l'enfant. Je salue chaleureusement chacun de vous qui avait bien voulu rehausser votre présence dans cette manifestation de séjour. Votre présence dans ce magnifique cadre de la grande salle du complexe scolaire Ewabura est un signe éloquent de l'intérêt que vous portez à l'égard de la promotion de l'équité du genre et de la protection des droits de l'enfance. Après ces mots interpellateurs, le participant, parmi lesquels Madame Aline Makano, bourgmestre adjointe de la commune urbano-rurale de Fungurume, ont été conviés à suivre avec intérêt le panel sur plusieurs thématiques à l'ordre du jour. Des réflexions laborieuses qui ont conduit à des résolutions formulées après un jeu de questions et réponses.